Salut, je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de BTS MECP à l'école Perfide de Lyon. Je me suis orientée dans le monde de l'esthétique parce que le monde de la beauté m'a toujours attirée. Et du coup, je voulais à mon tour proposer des prestations, prendre soin de la personne, apporter un bien-être. La première année de ce BTS, c'est un tronc commun. Donc, on apprend des matières générales. Tout le monde a les mêmes matières. Et la deuxième année, il y a des options. Donc, il y a trois options différentes. Il y a cosmétologie, management, où je suis, et formation marque. Donc, l'option management, c'est apprendre à manager une équipe, apprendre toute l'organisation d'un spa. En fait, on nous apprend à ce qu'on puisse ouvrir notre propre institut ou spa plus tard. Donc la grosse différence entre les deux années, c'est en fonction des matières que l'on étudie. Moi personnellement, la deuxième année, je la trouve plus intéressante parce que quand on choisit nos options, on choisit aussi nos matières. Moi, je suis très intéressée par exemple par l'option management. Donc on a des matières bien plus spécifiques comme management des équipes, management des entités commerciales. On a encore de la pratique en deuxième année de management. C'est la seule option où on a encore de la pratique en deuxième année. Du coup, pour les stages, on a deux stages à faire durant nos deux années de BTS. Le premier stage en première année, c'est un stage de 4 semaines. On peut le faire où on veut. Donc moi personnellement, je l'ai fait en parfumerie chez Lossibé pour voir un peu le monde des formations marques, comment ça se passait. Et le deuxième stage, du coup, c'est suivant l'option qu'on choisit. Du coup, moi, c'est l'option management, donc j'ai dû le faire dans un spa. Donc là, je suis à la Clusaz, dans un spa Nuxe. Du coup, durant mon stage de cette semaine, la première semaine, j'ai été formée par la marque Nuxe sur leur protocole, leur rituel. Et du coup, après, j'ai pu pratiquer et à mon tour recevoir des clients, m'occuper du spa, voir ma manager, comment elle manageait le spa, les équipes. Donc voilà. Donc concernant les cours, on a des cours théoriques toute l'année, toute la semaine, et on a une demi-journée de pratique du coup. On apprend plein de nouveaux massages, le massage vasculaire, le massage drainant, plein de nouvelles choses.